vous allez bien? Il est 7h15. Ça? 7h15, puis je suis contente parce que mon rhume a pas l'air d'en être un. Hier soir, je filais vraiment pas. Je vais être chemin. Okay. Hier soir, je filais vraiment comme début de rhume, puis je capotais un peu parce que j'ai une belle journée aujourd'hui. Finalement, je m'en suis bien sortie. C'est cool. Mais en tout cas, pour le moment, c'est correct, là. Peut-être que plus tard, mais entre, pour le moment, c'est correct. J'ai pas super bien dormi, par exemple, parce que les enfants se sont réveillés genre 3 fois chaque. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a ces temps-ci, là, mais ils dorment vraiment pas bien. Moi, je pense que c'est vraiment le temps qu'on retourne à la routine. La routine me manque énormément. Genre, de coucher à la même heure, puis de se lever à des heures plus raisonnables. Parce que là, ils se lèvent comme super tôt, mais ils se couchent super tard. En tout cas. C'est ça. Fait que là, aujourd'hui, je m'en vais voir Marc Dupré, Émile Bilodeau au show de la rentrée d'Acton Vale. J'ai gagné des billets sur leur page Facebook, dans le fond, fait quelques semaines. Ils ont fait un tirage, puis j'ai gagné des billets VIP, consommation gratuite toute la soirée. En fait, c'est vraiment cool. Merci, le show de la rentrée d'Acton Vale. C'est vraiment hot. Je suis vraiment contente. Je sais pas du tout en quoi ça consiste être VIP, genre backstage pis tout. Je sais pas, genre le show, on va le voir de où. On va-tu pouvoir être en avant, mais t'sais, je sais pas comment ça va fonctionner. J'ai vraiment hâte de voir ça. Il annonce la pluie, mais c'est pas grave parce que là-bas, il y a une grosse tente. C'est comme gigantesque. Fait qu'on va être en tout de ça. Il n'y a pas de trouble. Là, ce matin, j'essaie de rester flâner dans mon lit un peu, mais Elliot, il arrête pas de m'appeler. Fait que c'est gossant. Fait que je branche mon appareil photo. Puis on va se reparler tantôt. Bonne journée! Que t'es comme il est cute! T'en sors juste le petit Canadien. Il y a eu ça, genre, je pense, à Noël, quand il avait 2 ans. Fais ça comme ça. Les manches commencent à être un petit peu petites. Mais il fait encore, hein? Tu peux le porter dans la maison. C'est cute! Bye, il dit encore. Puis je viens de ramasser un peu la maison. Ben, ramasser vite fait, là. Les jouets qui traînaient un petit peu partout, puis t'es fatiguée, ben tu dors. J'ai fait une brassée, j'ai plié le linge qui était sur le rack pour pouvoir mettre la prochaine brassée dessus. C'est ça, j'ai poussé un petit peu, là je m'apprêtais à faire cuire les brochettes de poulet que j'ai acheté hier au Maxi pour qu'Alex puisse manger ça pour souper ce soir vu que moi je serai pas là. Et qu'on va manger ça avec les légumes que j'ai fait hier. Puis j'ai soufflé, j'ai la récup. Faire ça de la vie. Fait que là, je vais faire cuire mon poulet. Puis j'ai feuilleté ça aussi. J'ai reçu le magasin là hier. Déjeuner et collation protéinée. Fait que j'ai feuilleté ça un peu. Il y a plein de belles recettes pour vrai. Sauf qu'avant de faire ça, j'ai une recette que je veux faire. j'ai roulé mon air. J'ai entendu faire. Je voulais faire une recette de muffin au son, blé et raisin sec. Je pense quelque chose de même. Ça doit être assez consistant. Fait que je me disais pour déjeuner, peut-être que les enfants, ça pourrait être une bonne idée. Fait que je voulais faire ça avant de me lancer dans les recettes de ce livre-là. Mais c'est pas grave, je l'ai fait un petit peu, puis avant des belles recettes. Là aussi, c'est ça, je prends les brochettes, puis après je m'en vais faire le vlog, le montage du vlog d'hier. Parce que c'est ça, hier soir, j'aurais voulu le faire, dans le meilleur des mondes, je l'aurais fait. Mais c'est ça que mon début de rhume, je me suis couchée vraiment tôt. Ce qui est vraiment pas dans mes habitudes, je me couche tellement tard. Mais hier, je me suis couchée, 9h30, je pense que j'étais couchée. Fait que je vais aller faire le montage du vlog d'hier, puis je vais peut-être essayer de commencer à monter les petits bouts d'aujourd'hui, même si j'ai pas grand-chose, mais ça va être ça de fait. Part de tout ça, c'est pas mal ça, je vous dirais, là, je me demande comment je m'habille ce soir. Parce qu'il annonce de la pluie cet après-midi, mais je vais regarder ce soir combien qu'il annonce, mais il fait pas chaud. Tu sais, il y a quand même un bon vent. Il y a un petit vent frais dehors, puis si je me fie à hier soir, le vent, le fond de l'air était vraiment frais, genre c'était... En tout cas, fait que je veux pas me geler. Sauf que l'affaire, c'est qu'il va faire quand même chaud parce que. Je vais vous montrer ça. Charlie, Alice et Aurélie, la flamme. T'aimes-tu ça lire ça, Charlie? Oui, j'ai 2. T'as le premier puis le deuxième? Oui, puis je les ai tous écoutés. Tu l'as toutes lues? Là, c'est la deuxième fois. Les... Cool. Je vais vous montrer une photo. Regardez bien ça. Dans le fond, nous, c'est des billets VIP. Fait qu'on va être ici, l'autre bord de cette clôture-là. Quoi? J'arrive. Fait qu'on va être juste ici, collé sur la scène. Fait que c'est sûr qu'il va faire chaud. Mais c'est pas grave, tu pourras après. Fait que c'est sûr que je me mets pas en short, je vais me mettre en jeans.
Mais l'affaire, c'est que j'ai pas magasiné de linge d'automne. Fait que là, je marche avec les morceaux que ma belle-sœur m'a donné au début de l'été. Tu sais, ta gougoune. Mets ton pied. Mais je sais pas à quel point j'ai quelque chose comme qui va fitter près d'un festival, tu sais, qui va être confortable, mais pas trop. Non, je veux quelque chose de confortable, mais je vais mettre mes souliers flamants roses, je pense, parce qu'ils sont comme mous, là. Je pense que là-dedans, je vais être confortable. En tout cas, je vous montrerai tantôt comment je vais m'habiller. Puis, c'est pas mal ça, je vais mettre le droit. On va faire du montage. J'arrête pas de faire ça. Je sais pas pourquoi, c'est comme une nouvelle manie que j'ai. Peace! Ben, croyez-le ou non, ça va faire une demi-heure que je me change puis que je me rhabille pour finalement finir avec un t-shirt blanc. C'est tout à fait moi, ça. J'avais un chandail long, manche longue, vert. Puis là, je me suis même dit, ouais, mais il fait quand même pas 40 degrés dehors. Je me suis dit, je vais avoir chaud. Fait que là, je me suis mis un chandail trois quarts. Puis là, je suis là, ouais, mais je vais avec ma cagoule et je serai pas confortable. Fait que là, après ça, je me suis mis une camisole. Puis j'ai dit, ouais, mais tu sais, s'il fait chaud, mais qu'il y a un petit vent en camisole, je vais avoir froid. Puis là, fait que j'ai fini avec un t-shirt blanc. Mais je suis quand même contente parce que ce t-shirt-là, il me faisait plus. Fait que tu sais, quand même correct. Il est bon ordinaire, là. Il est tout blanc. Puis j'ai mis mes jeans Guess. Comme trop confortable. Puis ça me rappelle juste à quel point j'ai hâte de perdre ma petite. Mon petit bourrelet ici, là. Qui me gosse. Si ça, ça pouvait partir. Je ferais tout ça bien. Mais moi, on dirait que je perds partout sauf de la bédaine. J'ai perdu des hanches. Dans mon linge, je sais que j'ai perdu des cuisses, mais je le vois pas. Je trouve que je suis encore large des hanches. Mais bon, hein? Oh, c'est la vie. En tout cas, c'est ça. Fait que là, j'ai décidé de mettre mes jeans. C'est plus confortable que j'avais. Petit t-shirt bien, bien relax. Je voulais mettre ma cagoule bleue avec des poches en avant pour pouvoir mettre mon cellulaire dedans. Sauf que là, ce qui arrive, c'est que elle est vraiment grande. Puis j'ai l'air comme d'une poche de patate. Fait que j'ai décidé de prendre ma bourgogne qui est un petit peu plus serrée, mais qui n'a pas de poche en avant. Fait que c'est ça. Puis là, ce que je fais habituellement, c'est que je mets mon téléphone dans ma brassière, mais dans mon top. Sauf que là, j'ai mis une vraie brassière. Puis quand je mets une vraie brassière, ça marche pas. Ça marche juste si je mets un top de sport. Voilà, c'est mes confidences, là, cet après-midi. Si je mets un top de sport, quand je vais faire épicerie ou de quoi, je mets tout le temps mon cellulaire dans mon top. Mais là, avec une brassière, ça marche pas parce que. Tu sais, ça passe là, ça marche pas. Fait que là, il faut que je traîne mon sel dans mes mains. Parce que moi, j'ai mon sac, ma sacoche, c'est comme un sac à dos. Puis, c'est ça. Ça va gosser tout le temps, prendre mon sel dans mon sac. Puis, à moins que je mette comme mon sac par en avant. J'avais fait ça au Festival de la Poutine l'année passée, j'avais mon sac par en avant. C'était pas le même sac, là. Puis, je m'accotais dessus en même temps. Puis, c'est ça. Parce que c'est souvent back à back dans les festivals. Fait qu'on est pogné. Puis, ce soir, à Mardi Pris, il va y avoir beaucoup de monde. Fait que, c'est ça. Là, je vais aller me peigner. Mais, tu sais, je fais pas des miracles, ni d'or, c'est ça, les yens de la pluie. Fait que je vais tout friser. Je vais les étirer vite, vite. Puis, je vais me maquiller un petit peu. Il est 1h30. Je vais t'aller à ma belle-sœur. Quand elle va me donner son hockey, ben Alex va venir me porter à Saint-Hyacinthe. Fait que c'est ça. On va aller m'arranger la face un peu. Bon, ben j'ai l'heure de tout ça, les amis. Hein, grosse différence avec d'habitude. Est-ce que je vous disais à quel point j'haïssais mes cheveux? Je capote, là. Je viens de les placer. Regardez, là. Ils sont tous pétés. Colin. Ben, tiens, ici, ils sont quand même bien, là, quand ils sont placés. Ils sont beaux. C'est comme tout ici, là. En tout cas, maman était chez la coiffeuse un matin. Puis un représentant qui a passé, un représentant de shampoing, là, de stock de coiffeuse. Puis, il vendait, c'était quoi, donc? Je sais plus trop c'est quoi la marque. Mais, c'est supposé ben gros m'aider. Parce que j'ai vraiment, tu sais, j'ai mon champignon dont je parlais, là, hier. Mais j'ai aussi le fond de la tête sec, là, c'est épouvantable. Puis j'ai comme plein de peau. Genre, j'ai vraiment besoin là, de que quelqu'un vienne au secours de mes cheveux. Fait qu'en tout cas, la coiffeuse, elle a conseillé ça. Puis ça a donné qu'il y a un représentant qui passait la même avant-midi.
Fait qu'elle m'a acheté le duo shampoing revitalisant. Fait que je vais essayer ça. Tu regardes, on va-tu? C'est tout pété. Comment ils font les filles pour avoir des beaux petits cheveux lisses, là? Puis là, en plus, j'ai mis ça. Je mets ça quand je me lisse les cheveux. Je mets ça à la fin pour qu'ils soient plus beaux. Puis là, j'en ai comme mis trop à la même place. Fait que là, j'ai comme une bâche de cheveux, on dirait, qui est gras là. Fait que là, si je rencontre Marc Dupré en vrai, il va me dire « Oh, t'as les cheveux gras! » Je voudrais pas que Marc Dupré, genre, pense que j'ai les cheveux gras, là. C'est que, mettons, demain, ils disent « Ouais, t'sais, la fille aux cheveux gras. » Ok, là, je m'éloigne du sujet. Fait que là, je vais me préparer. Ma belle-sœur vient de finir de travailler, elle m'a texté. Alex est au téléphone avec sa mère depuis une demi-heure. aussitôt qu'il va raccrocher, ben, on va s'en aller tranquillement, pas vite. Faut que j'aille à la caisse avant d'en aller là-bas. C'est ça. Fait que là, à partir de là, les prochains segments dans le vlog, ça va être à base avec mon sel que je vais filmer. Puis c'est la première fois que je filme avec ce cellulaire-là. Fait que je garantis pas de la qualité de l'image. Je sais pas de quoi ça va avoir de l'air. J'espère que ça va être potable. Je vais essayer de vous emmener avec moi puis de filmer ce que je peux filmer. Je vais essayer de penser à filmer parce que c'est ça le gros problème moi, en spectacle ou en événement comme ça, c'est que souvent je suis genre tellement dedans là, genre je suis tellement dedans que j'en oublie le fait qu'il faut que je vlogue. Fait qu'en tout cas, je vais essayer de vous ramener des images puis c'est ça, fait que je m'excuse pour la qualité de tout ce qui va suivre après. Puis peut-être que je vais filmer dans le mauvais sens, ça se pourrait, c'est bon. Je sais jamais s'il faut que je filme de même ou de même. Je sais pas non plus ce qu'on va aller souper, fait que je vais tout vous montrer ça. Ma belle-sœur habituellement est assez in là, pour que je puisse filmer en même temps avec elle. C'est la personne, je pense, qui est un peu plus au courant de tout ce que je fais dans ma vie privée. Genre Instagram puis tout, je pense qu'elle est assez à l'aise avec ça. Fait qu'en tout cas, anyway, je vais tout storyser ça aussi. Fait que, on y va. Anne-Marie, elle s'achète un chandail. Allô, Anne-Marie. Allez! C'est une vidéo. Et maintenant, nous partons à Lydia. Et une vidéo. C'est une vidéo.